Mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire, année Père. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire des saints anges gardiens. Le Seigneur donne mission à ses anges de garder les héritiers du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant des bienfaits de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur, au 18e chapitre du 1er, au 5e verset, puis 10e verset. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Amen, je vous l'ai dit, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans les royaumes des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, le 2 octobre, nous célébrons la mémoire des saints anges gardiens. Nous en avons besoin. Dans cette vie où parfois on fait l'expérience de Job, comme on l'a entendu dans la première lecture, Job 9, de 1 à 12, puis des 14 à 16, la souffrance. On est parfois confronté à la souffrance et dans ces contextes, on a besoin d'être assisté par ces créatures surnaturelles, les anges gardiens qui nous accompagnent, qui nous réconfortent, qui sont comme des garde-corps invisibles qui nous protègent. Job, dans son expérience de la souffrance, se relève petit à petit. Il était certainement abattu avec cette succession de mauvaises nouvelles qui s'étaient abattues sur lui, sur sa famille et sur sa maison. Cette souffrance incomparable. Petit à petit, il est en train de réfléchir. Il est en train de voir qu'est-ce que Dieu veut lui dire à travers cela. C'est la question que chacun de nous devrait se poser devant la souffrance. La maladie, la prison, vous êtes en prison, ou encore d'autres épreuves de la vie. La grande question, la question la plus importante, c'est toujours, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ceci? Et Job a la réponse. Dieu veut me montrer qu'il est souverain et qu'il le restera. C'est un Dieu qui est tout puissant, qui est transcendant. C'est l'absolu. Il est souverain. Ce qu'il veut faire, il le fait. Il peut même faire déplacer les montagnes, nous dit Job dans la première lecture. Il est plein de sagesse, notre Dieu, et d'une force invincible, dit Job, avant de poursuivre. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Si il peut transformer le monde, il peut déplacer les montagnes, il peut secouer la terre sur sa base, à plus forte raison votre vie, votre situation, il peut renverser tout. Il peut faire en sorte que aujourd'hui même, vous puissiez commencer une nouvelle page dans votre vie. Une page rose peut commencer aujourd'hui. Parce que c'est un Dieu qui est tout puissant. Et Job en fera l'expérience. Vers la fin de son livre, Dieu, après avoir éprouvé Job,
et s'est rendu compte que Job a une foi incomparable. Dieu va restituer à Job plus que ce qu'il avait auparavant. Et ça peut arriver aussi dans la vie de chacun de nous, dans votre vie, pourvu que vous ne perdiez pas la foi dans la souffrance. La souffrance ne devrait pas vous pousser sur la piste de la révolte contre Dieu. Non. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dans tout ce qui nous arrive, retenons une chose, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Ou encore, selon cette version beaucoup plus populaire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même votre maladie, l'expérience douloureuse que vous faites en prison, n'importe quelle épreuve de la vie, tout cela va concourir à votre bien. Si vous croyez en Dieu, et si dans votre épreuve, vous lui restez fidèle. Les anges gardiens dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui sont là pour nous accompagner aussi dans des moments difficiles de notre vie. Face aux épreuves de la vie, nous pouvons compter sur cette présence mystérieuse des anges gardiens. C'est depuis l'Ancien Testament que la Bible en parle. Durant l'Exode, il y a un ange qui accompagnait tout un peuple. Dans la tradition de l'Église, il y a des anges qui accompagnent le peuple, l'ange d'un peuple. Il y a aussi des anges gardiens qui accompagnent chacun de nous, comme des garde-corps invisibles. L'Esprit Saint est en nous. C'est le principe divin déversé en nous et qui nous fait crier « Abba Père », Galates 4. Mais les anges gardiens ne sont pas en nous, mais à côté de nous, avec nous. Si l'Esprit Saint est en nous, les anges gardiens sont à côté, sont avec nous. Cette présence invisible, nous pouvons bénéficier de leurs bienfaits. Rappelons-nous de Tobie, rappelons-nous de toutes les interventions des anges dans notre vie. Tobie qui voyage avec un ange et qui revient avec lui. C'est vraiment un ange gardien. Et Tobie Père qui sera guéri grâce au même ange, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Les anges gardiens sont plus efficaces dans notre vie si nous sommes comme les enfants, c'est-à-dire si nous savons nous abandonner à la providence divine, nous abandonner entre les mains de Dieu, comme l'enfant s'abandonne entre les mains de ses parents. Si nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, comme les enfants s'abandonnent entre les mains de leurs parents, eh bien, les anges gardiens seront plus efficaces. Il nous faut être beaucoup plus attentifs à la présence de ces êtres invisibles dans notre vie. Il y a trois choses à retenir. D'abord, un, attention. L'attention à l'invisible. Notre monde est aussi fait des forces invisibles. Il n'y a pas que les visibles, il y a l'invisible. Et parfois, l'invisible influence beaucoup plus notre vie. Il y a l'invisible au sens négatif, c'est-à-dire des forces démoniaques qui sont invisibles, qui peuvent influencer la vie de l'homme négativement. Il y a aussi des forces invisibles positives, c'est-à-dire les anges, les saints que nous ne voyons pas, les bienheureux que nous ne voyons pas, les archanges que nous ne voyons pas, mais qui sont capables de nous influencer, d'influencer notre vie positivement. Nous devons donc nous ouvrir à ces forces invisibles positives qui peuvent combattre des forces invisibles négatives qui peuvent détruire notre vie. Si nous nous appuyons sur ces forces invisibles positives, eh bien, nous pourrions gagner le combat contre les forces invisibles négatives. Voilà pourquoi l'Église nous donne aujourd'hui l'occasion d'ouvrir l'œil intérieur pour que nous puissions être attentifs à ces êtres invisibles, aux anges gardiens. La deuxième chose, nous devons apprendre à invoquer les anges gardiens. Il y a des prières pour les anges gardiens. Ange de Dieu, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, garde-moi, dirige-moi, gouverne-moi.
l'ange de Dieu à qui j'ai été confié par la bonté divine. Éclaire-moi, garde-moi, dirige-moi, gouverne-moi. C'est une petite prière qu'on peut dire avant de prendre le transport, avant de sortir de sa maison, avant d'entrer quelque part. Il faut toujours, on peut toujours dire cette prière-là pour essayer, pour faire comprendre aux anges gardiens qu'écoutez, je ne vous oublie pas, je sais que vous êtes là, faites votre travail. Et les anges gardiens travaillent. Parfois, lorsque vous voulez traverser la route, il y a quelque chose qui vous dit, regardez à droite, vous regardez, il y a un véhicule qui a failli vous cogner, et puis vous êtes sauvé de justesse. C'est l'ange gardien. C'est l'ange gardien qui travaille à vos côtés. Et la troisième chose, c'est que nous aussi, nous devons être des anges pour les autres. Imitons ce que font les anges gardiens. Ils nous protègent. Que chacun soit pour les autres un ange. Quelqu'un qui peut protéger les autres, qui peut secourir. Les anges nous secourent. Ils viennent à notre aide. Et nous aussi, nous devons être des anges pour les autres, en assistant les autres, en intervenant chaque fois que les autres sont en difficulté. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.